Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on apprend à chanter et à identifier la note Ré. Ceci, c'est la troisième vidéo. Si tu n'as pas vu la 1 et la 2, arrête tout de suite la vidéo et regarde-les toutes dans l'ordre. Mais maintenant, trêve de bavardage, accroche-toi car 1, 2, 3, on y va. Alors, nous voici sur notre troisième vidéo. On apprend la note Ré, donc je refais notre clé de Sol. Toujours sur la deuxième ligne, toujours notre point de repère Sol. Donc voilà, ceci est le Sol. On se souvient qu'on a déjà appris la note Mi, donc on la met directement ici. Le Ré se trouve juste en dessous du Mi. Et donc, on va dire que le Ré se trouve sous la première ligne. Parce qu'effectivement, il n'est pas dans un interligne comme l'était le La, qui était entre deux lignes. Mais lui, il est juste sous la première ligne. Voilà, nous commençons par faire une petite lecture parlée pour se mettre dans le bain. Je vais cette fois-ci taper la pulsation sur la table. Et puis si vous voulez faire avec moi, vous êtes vraiment les bienvenus. 1, 2. Do, ré, mi. Do, ré, mi. Do, ré, mi, ré, do. Sol, do, do, ré, mi, sol, do, ré, mi, sol, do, mi, sol, mi, do, do. On est maintenant à la mesure 17, comme vous pouvez le voir ici. On continue. Sol, sol, mi, mi, ré, ré, mi. Sol, sol, mi, mi, ré, ré, do. Sol, sol, mi, sol, ré, ré, mi. Sol, sol, mi, sol, ré, mi, do. Si jamais vous avez envie de vous accompagner à la guitare, au piano, à l'accordéon et que vous ne savez pas lire les chiffrages que j'ai mis sur la partition, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment construire vos accords. Nous allons maintenant faire une lecture en battant la mesure et je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y a une double barre sur la partition. Et maintenant, pour les plus courageux, mais seulement pour les plus courageux, on fait une lecture complète sans s'arrêter de ce solfège numéro 3 et en battant la mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez envie de progresser. Et pour ceux qui ont envie de progresser, mais seulement pour ceux-là, j'ai une petite lecture bonus, rien que pour vous, où on va avoir les notes Do, Ré, Mi, Sol et La, toutes mélangées. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne lecture. On arrive malheureusement à la fin de la vidéo, mais je suis très très contente que vous ayez réussi à faire ces deux lectures aussi vaillamment. Avant de se quitter, on répète juste les trois tips qui vont faire de vous des très très bons lecteurs très très vite. D'abord, répétition et régularité. Si tu n'arrives pas, tu répètes et en plus, tu en fais un petit peu tous les jours. Numéro 2, tu progresses toujours palier par palier, c'est-à-dire que tu ne sautes pas les vidéos, tu les fais toutes dans l'ordre. Et 3, toujours faire de la musique, c'est-à-dire toujours t'engager dans ces lectures avec expression.